Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Clément, votre enseignant en japonais. Et aujourd'hui, nous allons étudier la forme, alors particule mot plus le verbe à la forme négative, sous forme polie évidemment, puisque jusqu'à présent, nous n'avons que cette forme. Donc en fait, c'est une forme qui s'utilise de manière quasi idiomatique pour nier d'une manière totale. J'ai mis presque pour nuancer, parce qu'on peut trouver des exceptions dans la poésie notamment, mais logiquement, lorsqu'on utilise la forme mot qui correspond à aussi plus à une négation, c'est vraiment qu'on veut, on est contre totalement. Hein. Donc elle est utilisée, par exemple, lorsque vous la construisez, les particules qui sont concernées, par exemple dans le lieu, pour dire nulle part, le ni, le et, entre autres, sont omises pour que la langue soit plus fluide. Nous allons voir ça dans les exemples. Donc il y a trois façons d'utiliser cette forme mot plus verbe négatif. Vous pouvez l'utiliser pour le lieu, pour dire une négation totale de lieu. Par exemple, si vous voulez dire « je ne suis allé nulle part », vous utilisez le « doko », pardon, j'avais oublié le « tenten », le « doko » qui veut dire le « doko » logiquement, c'est-à-dire « où », quand on demande l'endroit. Mais « dokomo », en fait, si on l'utilisait correctement, on devrait dire « doko nimo » ou « doko emo ikimasen deshita ». Mais naturellement, on utilise tout simplement « dokomo ikimasen deshita », donc « je ne suis allé nulle part ». Pour les objets, donc on n'utilise pas le mot « doko » qui demande le lieu, mais on utilise le mot « nani » qui demande quel objet. Et là, c'est « nanimo tabemasen deshita ». Donc, ah, là par contre, vu que je l'ai mis au passé, hop, je vais le passer simplement au présent pour la traduction. Donc, « nanimo tabemasen » devient « je ne mange rien du tout ». Et enfin, pour les personnes, donc ça c'est une forme grammaticale, vous savez, « imas » d'existence qui remplace « des » et que nous verrons plus tard, c'est « hop ». Dare, donc pour demander qui, daremo imasen, il n'y a personne du tout. Donc voici pour la forme mot plus verbe négatif. Donc vous la retrouverez uniquement sous ces trois formes jusqu'à un niveau très élevé de japonais. Et donc je vous souhaite un très bon apprentissage et j'espère à bientôt. We'll be right back.